un document photographique qui vous fera choisir tel ou tel sujet. Si cette motivation n'apparaît pas, il faudra trouver votre centre d'intérêt. Pour débuter, vous tracerez une grille sur votre document original en prenant comme unité de mesure la grosseur d'un œil. Il faut que l'iris entre totalement dans un des carrés. D'après le format original et celui de la toile, calculez votre échelle d'agrandissement. La fabrication d'une toile durera 6 mois à 1 an environ. Il est donc conseillé de débuter la réalisation par un détail qui, visuellement, vous suggérera quelque chose. Si vous avez dessiné au début de la toile les centimètres carrés de peau, votre patience devra être à la hauteur de votre dégoût. Après avoir isolé un carreau sur la photo, repérez bien vos détails principaux qui vous guideront ensuite plus facilement dans ces dizaines d'éléments. Voici le compresseur avec ici la pression et le débit d'air. Compresseur qui alimente le pistolet. Voici une manière de peindre, mais l'on peut, du support nu et par touches successives, approcher progressivement du ton final. Le fini net à l'aéro se fera par cache. Pour ceux qui en ont l'habitude, le perroquet constitue l'outil le plus maniable, mais il en existe sous d'autres formes, telles que la frisquette, polyvinyle autocollant, ou tout simplement papier ou rhodoïde découpé. Pour l'application de la couleur au pinceau, on procédera de manière analogue à celle du crayon, sinon qu'auparavant, trois couches de ton neutre auront été étendues, ni trop claires ni trop foncées. En faisant une synthèse de la gamme tonale du carreau original. On chargera ensuite les détails clairs puis les foncés. Faire très attention au raccord de chacune des parties de l'œuvre, sinon une ligne de scission pourrait apparaître.
Certains détails pourront être fondus à la main. On écrasera alors la touche trop marquée. Vous pourrez, avec de la technique, dépasser le photoréalisme et atteindre l'hyperréalisme, le trompe-l'œil. Thank you.